fraîchement vainqueur d'un US Open qu'il a survolé, Novak Djokovic a plus que jamais solidifié son dossier dans le fameux débat qu'il oppose à Rafael Nadal et Roger Federer pour le titre officieux de plus grand joueur de l'histoire. D'ailleurs, le Serbe a fait une révélation sur un changement de comportement de l'Espagnol envers lui, dès lors qu'il a commencé à le battre. Faut-il encore parler du tennis de Novak Djokovic? De sa longévité, de son talent, et de ce niveau de jeu hallucinant qui pousse de plus en plus d'observateurs à l'adouber publiquement comme le plus grand joueur à avoir jamais pris une raquette en main? La réponse est non. Tant le CV du natif de Belgrade parle pour lui. S'il contrôle aujourd'hui la quasi-totalité de sa communication, et si son aura l'empêche d'avoir l'insouciance de sa jeunesse. Les plus anciens se souviennent du phénomène rieur et moqueur qui a débarqué sur le circuit il y a une quinzaine d'années. Sa spécialité d'alors? Les imitations, dont celle de Rafael Nadal. Seulement voilà, derrière les sourires, Nadal n'a pas tardé à changer d'avis sur ses imitations le concernant. Et pour Djokovic, dans des propos relayés par The Tennis Letter. Le moment de la bascule est clairement identifié. Novak Djokovic dit que Rafael Nadal a arrêté d'aimer ses imitations quand il a commencé à le battre. Au début de ma carrière, quand il me bottait le cul sur le court, il n'avait aucun problème avec ça les imitations, note de la rédaction. Mais quand j'ai commencé à gagner quelques matchs, j'ai senti qu'il avait changé d'énergie vis-à-vis de ça. Surprenant? Pas franchement quand on connaît le compétiteur qu'est Nadal, lui qui n'a plus à prouver son fair-play et sa classe. Néanmoins, lorsqu'il a réalisé que le « Joker » devenait un rival particulièrement sérieux, le taureau de Manacor ne voulait plus lui laisser le moindre avantage, et a donc mis un coup de frein à ses imitations moqueuses. Un revirement de veste qui n'a pas échappé à « Djoko ». En dépit de ce changement d'avis de Rafael Nadal sur les shows improvisés de Novak Djokovic à son sujet, l'estime mutuelle entre les deux hommes reste particulièrement élevée. Et à juste titre. Entre grands champions, tous les détails comptent certes, même les plus futiles, mais au bout du compte, c'est le respect qui triomphe.